Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 22 août. Je suis trop contente de démarrer ce vlog. Alors pour vous, ça fait pas très longtemps que j'ai pas filmé, pas vlogué. Moi, ça fait actuellement un mois puisque je suis rentrée de vacances hier. Donc nous sommes le dimanche. Je suis allée faire les courses ce matin avant que ça ferme. Donc j'ai fait les courses à Grand Frais et à Lidl. Je vous ai fait le retour de courses mercredi, donc n'hésitez pas à les checker, ce sera dans le petit juste là. Donc là je reviens des courses, je vais vous filmer le retour de course là. Et pour celles et ceux qui me demandent comment je fais pour amener mes courses toutes seules avec des gros sacs hyper lourds, bah, j'utilise un diable. Je mets là par exemple, j'ai mis le sachet de congèle au dessus et j'ai mis les deux sacs en dessous, et après tu prends avec un diable et ça tient très très bien. J'ai retrouvé ma birdie chez mes parents et j'ai retrouvé mon chacha qui était à la maison et chez ma soeur là. Ah mon amour de chat, j'ai tellement de choses à vous raconter, mais d'avant ça faut que je débarrasse un peu tout ce qu'il y a sur la table pour vous filmer la vidéo retour de course, et après je vous reprends. Pendant que je filme mon retour de course, je vais vous insérer des petites vidéos que j'ai filmées juste avant. Bah, je vous mets ça maintenant. Regardez cette chiquette. T'es contente, hein, ça y est, là il y a la caméra, fais les bisous. Bah oui, alors qu'hors caméra, on s'en branle de maman, bah oui. Je vous retrouve donc pour le déballage de ce colis Cabaya. Je suis trop contente de recollaborer avec eux. J'ai collaboré avec eux il y a 2 ans, je crois. Et vous avez vraiment kiffé le sac à dos. Je l'ai toujours avec moi. Vraiment d'une très bonne qualité. Du coup, ils m'ont proposé de m'en envoyer un autre de sac à dos. Et j'ai vu leur nouvelle collection que j'ai trouvé vraiment trop trop belle. Des sacs avec du velours côtelé. C'est magnifique. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc voilà la pépite. J'essaierai peut-être de vous mettre des petits plans pour vous montrer un petit peu mieux de près. Il est magnifique ce sac à dos. Donc j'ai pris en small. J'ai peut-être essayé de mettre mon iPad pour voir s'il rentre, mais logiquement oui. Donc mon iPad passe jusque là, donc ça c'est vraiment cool. Par contre je ne sais pas si le MacBook passe. C'est un velours côtelé noir comme ceci avec des petits détails marrons. Je trouve ça magnifique. Une petite pochette qui en fait vous pouvez la changer. Donc ça c'est la spécificité de Cabaya. Vous pouvez changer les pochettes comme vous voulez. Donc là c'est une pochette noire, mais vous pouvez le mettre en n'importe quelle couleur que vous souhaitez. C'est super bien, ça se détache en fait. Et c'est sécurisé. Ça veut dire s'il y a quelqu'un qui veut voler votre pochette, bah il peut pas. C'est vraiment très sécurisé. T'as des clips et tout. Enfin c'est vraiment très sécurisé. Du coup vous avez une petite pochette là. Et vous avez ce magnifique sac à dos en small. Je vous mets de toute façon la référence et le lien en barre d'infos, vous inquiétez pas. Vous pouvez l'ouvrir en grand, en rectangle, et ça c'est vraiment pratique. Au moins on voit ce qu'on a, c'est assez large, c'est vraiment pratique. Et vous avez différentes pochettes à l'intérieur, donc des petites pochettes avec des scratchs. Une petite poche ici pour mettre, je sais pas, le téléphone, le portefeuille ou je ne sais quoi. Vous avez même une petite nouveauté que j'avais pas dans mon ancien sac à dos. C'est un mousqueton, donc peut-être pour mettre vos clés. Et la différence avec l'autre que j'avais, c'est que là, il n'y a pas un emplacement bouteille. Vous pouvez le refermer avec ça. Si vous avez un problème avec tous les sacs à dos Cabaya, c'est garanti à vie. Donc vous pouvez le retourner, etc. Il n'y a aucun souci, c'est garanti à vie. Et c'est vraiment trop trop bien. Donc moi, j'ai le Brighton Small Velours Noir Pocket. En tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et ce que j'ai vu, et je crois qu'il n'y avait pas ça pour l'ancienne version de mon sac à dos, vous avez une petite pochette en tissu comme ça, et à l'intérieur, ils vous mettent une autre pochette que vous pouvez mettre sur votre sac à dos. Donc si vous voulez changer et enlever cette pochette noire, vous pouvez mettre celle-là. Je suis trop fan, je suis trop contente, vraiment. C'est trop trop beau, trop mignon. Donc je vais vous montrer un peu mieux comment c'est fait derrière. Vous voyez, c'est super sécurisé, enfin vraiment c'est bien. En fait, je connais cette marque parce que à Place d'Italie, je sais pas si vous connaissez les Parisiens, mais normalement oui. À Place d'Italie, avant ils avaient un stand devant le Pinky, c'était un tout petit stand. Et ils vendaient voilà, leurs sacs à dos, etc. avec les pochettes différentes, etc. J'ai refait un petit tour à Place d'Italie la dernière fois et j'ai vu qu'ils avaient enfin leur boutique à côté de l'ancien Jennifer. Ils ont leur boutique et c'est trop trop bien parce que ça marche vraiment bien. C'est vraiment une marque qui est cool, elle est française et tout. Le concept est vraiment bien, tu peux acheter les pochettes que tu veux pour personnaliser ton sac à dos et les garanties à vie, enfin vraiment c'est un truc de ouf. Et moi ce que je faisais quand j'avais pas la voiture, je prenais mon sac à dos, j'allais en trottinette faire les courses et je mettais tout ce que j'avais besoin à la semaine. Si vous avez envie, n'hésitez pas à aller checker sur le site. C'est une marque éthique et engagée, donc elle a des produits green et vegan qui sont donc faits à partir de
matières éco-responsables dans des ateliers certifiés BSCI, donc c'est quand même important de le signaler. De base, ils sont connus pour les bonnets à pompons, vous savez, qui se changent en fait, donc ils se sont fait connaître comme ça, et ils sont disponibles en 3 tailles, donc voilà, je pense pas que le MacBook Pro rentrera là-dedans, je pense que l'iPad c'est le plus gros, un 12.9, mais plus grand, je pense pas que ça puisse rentrer. Donc voilà pour ce petit bijou. Franchement, je suis trop contente. Merci beaucoup. Il est sublime. La seule chose que j'ai peur, c'est les poils. Déjà, ça commence à attirer les poils. Ça, c'est le velours côtelé, c'est normal. Mais avec ces deux loustiques là qui sont juste là, moi, je vous dis wow. Hein. Et il y a mon copain qui m'a fait un mojito. Il est trop, trop bon. Je suis trop contente. Et il me fait des cafés frappés le matin. Oh, une divinité. En fait, celui-là, c'était le grand. Donc, vous pouvez voir au niveau de la taille. Je sais pas si vous allez bien voir. Alors, attendez. Niveau taille, il est beaucoup plus imposant celui-ci. Là-dedans, on peut mettre un 15 pouces, enfin mon ordi vraiment au calme. Donc ça, c'est le grand format, je crois, ou le moyen. Il est quand même assez grand. Et comme je vous disais, voilà, il y a un truc voilà, pour mettre les bouteilles. Il a bien évolué, je trouve. Hein. Franchement, il y a juste voilà, le petit truc qui manque. Et la pochette, elle est un petit peu salie au fur et à mesure voilà, des utilisations. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est de la bonne qualité. Moi, j'utilisais vraiment constamment quand j'allais faire mes courses, quand j'allais en cours, etc. Il était vraiment très très bien. Là, je viens de finir le retour de course, donc je vais ranger un petit peu tout ce bordel. Vous pouvez voir que le frigo, c'est vraiment très très vide, il n'y a pas grand chose, il n'y a même quasiment rien. Donc je vais tout ranger. Donc on va faire un petit avant, voilà le avant, et voilà pour le après, je trouve qu'il y a beaucoup trop de yaourt, putain. Donc là j'ai mis les légumes comme d'habitude, là c'est les courgettes qui viennent du potager de mon papa, donc j'ai mis les légumes, les fruits sont ici aussi, là c'est tout ce qui est un peu jambon, enfin les trucs un peu voilà, salés, etc. Là il y a des fromages, là il y a le cordon d'Alaska, il y a les petits filets, il y a les yaourts, il y a la viande. Il y a encore le restant des yaourts. Je vais me faire engueuler. Voilà pour ça. Et ensuite, il faut ranger toutes ces autres petits trucs dans les placards. En fait, j'aimerais bien faire un tri de ce qu'il y a à l'intérieur et nettoyer un petit peu. Donc, on va faire ça maintenant. J'ai enfin rangé la table, il y avait tellement de bordel. J'ai aussi rangé ça comme je vous l'ai montré. Voilà, au moins j'ai nettoyé, c'est un peu plus clean, etc. J'ai mis le linge à sécher, je regarde maison à vendre en même temps. Et je vais vous montrer mes petites plantes. Alors en fait, il y a ma voisine qui devait venir arroser les plantes, etc. Plantes d'extérieur, plantes d'intérieur. Sauf qu'il y a eu un problème, un gros problème. Donc elle n'a pas pu venir chez moi de tout le mois d'août. Mes plantes, en fait, elles sont restées sans arrosage pendant 3 semaines, 1 mois. Et les plantes d'extérieur, je vais vous les montrer après, c'est une catastrophe. Mais mes plantes d'intérieur, elles ont survécu. Et grâce au gel d'arrosage que je vous avais montré dans ma précédente vidéo, le gel d'arrosage que j'avais acheté à Leroy Merlin à 1€, j'en avais acheté 3. N'achetez pas à Truffaut, ça coûte 6€ à Truffaut. Et à Leroy Merlin, c'est à 1€. C'est exactement la même chose. Je vais donc vous montrer. Donc désolé, c'est le bordel. Hein. Il y a un bidon vide où il faut que je remplisse l'adoucissant dedans. Bref, il y a des trucs, hein, c'est un peu le bordel. Et regardez, mes plantes, elles sont toutes encore en vie. Donc il y a le gel d'arrosage qui est encore là, je sais pas si vous voyez, et ça dure 30 jours ce genre de choses. Voilà, là il est là, je vais peut-être l'enlever. C'est une matière un peu, voilà, comme ça, visqueuse, enfin c'est de l'eau en gelée, et franchement c'est super bien, ça a super bien fonctionné. Sauf pour une, c'était ma préférée, mais elle a pas survécu, c'est celle-là. Je suis vraiment dégoûtée, donc c'est la même chose que ça.
au moins bah, j'en ai une autre, mais vraiment celle-là je l'aimais beaucoup, mais c'est plus bon, c'est une plante qui a pas repoussé même si je la coupe. Mes plantes elles ont survécu, mon petit bananier il a survécu, donc voilà, je suis super contente. Et mon espèce de grande plante comme ça là, je vais la remettre en haut, elle a aussi survécu. Je vais enlever l'excédent en fait de ce gel, comme ça, ça va être tout bon. Donc au bout de 30 jours, faut enlever l'excédent, faut pas le laisser, hein, parce que sinon ça peut moisir. Donc ce qu'on va faire, c'est les replacer, donc les mettre à leur endroit initial, donc c'est-à-dire tout là-bas. Je sais même plus comment c'était, je crois que c'était comme ça. Ouais. Et après je vais vous montrer les lilots, vous n'êtes pas prêts. Donc voilà, pour les petites plantes, j'ai un petit peu changé les dispositions, mais je trouve ça assez joli. Voilà, j'ai retrouvé mes petites plantes, et là je vois que c'est en train de pousser là. Genre il y a une petite tige qui est en train de pousser. J'ai retiré aussi les plantes qui étaient mortes ici. Oh, je suis trop deg, vraiment c'était... C'est mes petites plantes, mais je crois que vous n'êtes pas prêts pour l'extérieur là. Voilà l'extérieur, donc déjà ma pastèque, j'en parle même plus, mon basilic là qui a cramé, la mâche qui est inexistante, mon basilic a cramé, mes framboisiers, voilà, ma menthe encore une fois ici elle a cramé, mon fichia elle a cramé. On a récupéré ça, c'est un cache, en fait il se met sur tout le long du balcon, donc c'est du 1 x 3 mètres, donc peut-être qu'on le mettra. Après j'aime pas trop cette matière un peu style sapin, un peu bas de gamme, à voir, faudra tester. Et voilà, je suis dégoûtée. Pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé pendant mes vacances, au niveau de mes animaux, donc il y avait mon chat chez ma soeur, ma chienne était chez mon père, donc ma chienne elle a vécu sa meilleure vie à la campagne, comme d'habitude, hein, de toute façon c'est chez mon père. Et ma soeur gardait mon chat, donc cet énergumène qui est là-bas là, sauf qu'il a pas arrêté de la faire chier, mais vraiment la faire chier, et elle me disait... Elisa, est-ce que ton chat il miaule chez toi? Parce que chez moi il fait que miauler tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est gonflant et tout, genre j'étais en mode putain, c'est que la première semaine, tu vois, il en reste encore deux. J'étais mal, je me suis dit merde, mon chat fait chier ma soeur, tu vois. Je dis bah essaye de jouer avec lui, etc. De s'amuser un petit peu avec lui, de câliner, de s'occuper de lui, quoi. Fait bah je le fais et tout, mais je comprends pas, il miaule constamment. Et je lui dis bah va chez moi et va récupérer quelques jouets en plus pour qu'il puisse s'amuser. Ça allait un petit peu mieux avec les jouets. Et après la deuxième semaine elle m'a dit il miaule tout le temps à 5h, 6h. En plus ma soeur elle fait vraiment des horaires assez lourds et elle est fatiguée, et donc si elle dort pas la nuit c'est compliqué. Donc j'étais vraiment pas bien, j'étais en mode comment je peux faire. J'étais sur le point de prendre un billet de train pour de faire Montpellier-Paris pour le récupérer. Ça m'a vraiment tracassée, donc j'ai dit à ma soeur bah laisse-le à partir de lundi, comme ça il restera 4 jours, 4 ou 5 jours à la maison. Laisse-le à la maison et va le voir le soir, peut-être ça sera un peu mieux. Et en fait je voulais pas le laisser à l'appartement tout seul pendant 3 semaines avec ma soeur qui venait une fois tous les jours pour le voir, parce que j'avais peur de la chaleur en fait, j'avais peur qu'il fasse trop chaud et je voulais que ce soit avec quelqu'un constamment, parce qu'avec la chaleur, enfin moi j'étais pas très rassurée. Donc elle a ramené Prince à la maison lundi et ça allait un peu mieux, il était apaisé, il avait ses repères en fait, c'est ça, il avait ses repères. Et je pense aussi que Birdie lui manquait beaucoup, nous aussi, parce qu'on est constamment avec lui. Moi je suis constamment avec ce chat, avec mes animaux, je suis tout le temps avec eux. Et il a toujours eu l'habitude que je sois là constamment, et ma soeur quand elle travaille elle est pas là. Je pense que c'est ça en fait, ça lui a fait drôle de rester seul, parce qu'il est pas très indépendant ce chat. Il aime bien l'affection, il aime bien jouer avec des gens, il aime bien les interactions. Et moi ça m'a fait vraiment trop de peine, et quand il arrive à la maison ça allait beaucoup mieux. Et quand je l'ai vu là samedi avec sa petite bouille là, être content, en train de nous voir et tout, ça m'a fait chaud au cœur de le voir, il était trop mignon, il faisait plein de caresses, enfin... Ouais, c'est vraiment une bichette hein, ce chat, c'est un truc de ouf, hein. C'est vraiment un bébé chat. Maintenant il faut que je range tout, il y a beaucoup de travail, donc mon copain il est pas là, il a Truffaut en train de bosser. Donc, je vais passer mon dimanche à faire les courses, le ménage, la lessive et le rangement. Voilà, j'aurais préféré peut-être travailler, mais je vais faire ça avant d'avoir le vaccin pour ne pas être KO. Ce bébé chat là, hein, c'est une bichette. Espèce de petit peureux. T'es vraiment un bébé. Tu sais que t'es adulte, il serait temps de prendre un peu ton indépendance, hein. Et pas tout le temps chercher après Birdie. Il est trop beau, ce chat. Oh oui, j'ai dur la vie des petits chiens. Mmh. Mmh. Oh oui, c'est dur. Oh oui, j'ai dur la vie. Mmh. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard, je n'ai absolument rien fait. C'est chat. Je suis restée sur le canapé et je suis restée avec mes animaux. J'avais trop envie de rester avec eux, tranquille et tout. Mais il faut peut-être que je me bouge parce qu'il est actuellement
17h41, donc c'est la merde. Il me reste plus beaucoup de temps pour tout ranger. Ah, mes loulous. Oh, mon chacha, qu'est-ce que t'es beau. Mathieu, qui tout à l'heure, elle s'était affalée sur moi. Elle avait la langue qui pendait en mode... je sais pas, c'était trop drôle. T'es belle, mon cœur. Bon, Elisa, faut se motiver. Il faut donc ranger un peu la cuisine quand même. Il faut peut-être faire une lessive aussi. Genre, tout ce qui est drap de plage, c'est là-bas. Regardez la valise. Je sais pas si j'ai la foi de le faire aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai envie de trier mes affaires. Genre, vous savez, de faire un autre petit tri, voir ce qu'on peut mettre. Genre, enlever tout ce qui est d'été, mettre les choses un peu plus automnales, etc. Parce qu'à Paris, là, il pleut, c'est pas terrible. C'est un truc de ouf, il fait nuit. Il est 17h, donc c'est un peu chaotique le temps en ce moment. Donc peut-être enlever les choses d'été ou les choses d'hiver. Ou je sais pas, mettre des gros plaids dans des sacs. Alors ça, on a mis déjà des plaids. Alors attendez, je vous allume la lumière. Hop. On a mis des plaids déjà dans des sacs. Je crois que c'est des oreillers là-dedans et une couette. Et là, c'est des plaids, vraiment des gros plaids. Et franchement, à Primark, leurs sacs là, comme ça, ils sont géniaux. Ils coûtent 3 euros les deux. Ils sont géniaux, ils n'ont pas bougé du tout. Donc ça, c'est vraiment cool. Tout ce qu'il y avait en bordel qui était au niveau du lit, on a pu le mettre là-dessus. Et ça, faudra le ranger quelque part. J'en ai marre, moi. J'ai envie que tout soit organisé chez moi, mais j'arrive pas encore. Je voulais aussi vous dire un truc. En fait, je vous ai parlé de ça sur Instagram. Je vous ai demandé si vous voulez des daily vlogs à partir du 1er septembre. Et pendant, je ne sais pas, une semaine, deux semaines, trois semaines, en fait, vous emmenez avec moi avec la rentrée, etc. Vous emmenez dans le Panthéon Sorbonne avec moi pendant une semaine, ou deux semaines, ou trois semaines, ou un mois. Un mois, je pense que ça va faire un peu beaucoup. Mais voilà, tous les jours, vous emmenez avec moi. Donc, voilà, si ça vous plaît, ça va commencer dès le 1er septembre. En tout cas, j'attends vos retours. Si, voilà, si vous voulez ça, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à me le dire en commentaire. Au moins, comme ça, je peux savoir si vous voulez. Mais c'est vrai que sur Instagram, vous étiez chaud patate en mode ouais, vas-y, on veut des daily vlogs et tout, ça va être trop bien. Si vous voulez, voilà, n'hésitez pas à me le dire, à liker. Ce sera des daily vlogs et il y a plein de choses. Mais quand j'ai dit plein de choses à faire avant la rentrée, il y a le rangement, le tri, peut-être des relookings de pièces. Comment vous dire j'ai prévu pas mal de choses dans ma tête. Mais je sais pas si ça va être possible. À voir au mois de septembre. Et voilà, vous emmener à ma rentrée scolaire, ma pré-rentrée, mes premiers cours, ma première semaine de cours, enfin, ce genre de choses, j'ai envie de partager ça avec vous. En plus, ce serait ma dernière année de licence, donc c'est énorme, tu vois. Peut-être ma dernière année universitaire, ça se trouve, j'aurais pas de master, mais voilà, j'ai envie de vous emmener avec moi. Je suis en train de parler, mais le problème, c'est que bah, je fais rien. Donc il faut que je fasse des choses là. Oh là là. En fait, j'ai beaucoup de choses à trier. La chambre, au niveau des pyjamas, faut que je vire quasiment tout parce que ça. C'est des pyjamas licorne et tout, et j'aime trop. Mais mon copain, il en a marre. On va peut-être prendre un autre pyjama que licorne, peut-être un pyjama. Fraise, marguerite, on va peut-être changer. Peut-être des ventes Vinted aussi, peut-être. J'ai pas de carton, j'ai rien pour envoyer les colis, donc pour l'instant je sais pas trop, mais voilà, je pense vous faire une vente Vinted, comme ça une vente pour la rentrée, avec voilà un code promo comme d'habitude, comme vous avez l'habitude d'avoir avec moi. On va essayer de faire ça. Hein, on essaye de faire ça, je touche du bois pour que ça fonctionne. Et oui, je voulais aussi vous faire un retour sur la marque Katz. Alors, je sais pas si vous avez suivi, mais en gros, Prince est devenu ambassadeur d'une marque, ça s'appelle Katz. C'était la pâtée au poulet. Prince, il a adoré. Ma soeur, elle m'a dit, elle m'a envoyé un message en me disant, mais Prince, il adore ses nouvelles croquettes, sa nouvelle pâtée et tout, il kiffe. Et vraiment, c'est un truc de ouf, il kiffe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je suis trop contente, donc il y avait des croquettes et il y avait aussi de la pâtée. Donc vous avez toujours le code promo, c'est Prince, et ça vous offre 50%. De remis, je crois, sur votre première commande ou un truc comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est une très bonne marque et très content. Et j'ai eu des bons retours de votre part en plus. Donc voilà, si ça peut vous intéresser, si votre chat a des problèmes, qu'il mange pas trop ses croquettes, que voilà, vous voulez tester une marque, ça coûte 11 euros, je crois, en tout pour 15 jours de croquettes et 15 jours de pâté. Et franchement, j'ai encore des croquettes pour vous dire. Donc ça fait pas 15 jours, ça fait un petit peu plus parce que je les mélange avec les anciennes, vous savez. Et il kiffe, vraiment il kiffe. Ah, je vous ai pas montré, mais là c'est ric-rac, hein, vraiment, y a plus de place. Mais je dois encore mettre le maïs, le thon. Comment je fais moi? J'ai aussi le sucre là qui est dans un sachet. Il y a le café qu'on a acheté à Montpellier qu'il faut ranger. Ça, faut que je le remplisse. Ça, je sais pas ce que c'est, ça va. C'est le bordel. Comment je peux aménager tout ça là? C'est quoi? Ça, c'est à jeter. Ça, c'est à jeter. Ça, c'est à remplir. Bon, j'essaye de ranger tout ça et on se reprend après parce que là, il y a beaucoup de taf.
et bien c'est déjà beaucoup mieux. On voit déjà le plan de travail et c'est propre, donc ça c'est cool. On va faire aussi la lessive, comme ça, ça sera tout bon pour moi. J'aurai tout lavé des vacances. Bon, s'il y a du bruit, vous savez pourquoi, il y a la machine qui est en route. Je vous ai pas fait un petit retour là-dessus, mais ça vient de chez Primark. C'est pour mettre, vous savez, le linge sale, clair et foncé. Et en fait, c'est super bien, franchement, j'ai adoré. Au moins, t'en as pas partout, c'est vraiment très très bien. Si vous voyagez, pensez à prendre ce genre de choses. En plus, ça se replie, je peux le ranger facilement, donc ça, vraiment, un indispensable. Donc j'ai tout ça à ranger, sachant que je n'ai pas de place. Donc je vais essayer de replier et de trier ce qui est vraiment très été et ce que je peux encore porter. Donc c'est parti. Là j'ai mis tout ce qui était un peu trop été, genre maillot de bain, etc. à côté. Là c'est les ensembles et je viens d'avoir une trop bonne idée. Je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt. Vous voyez les bacs là, c'est bien mignon, c'est bien joli, mais ça perd, enfin on perd beaucoup beaucoup de place. Du coup ce que je pensais c'était de mettre les... Bah tout ça en fait, tout ce qui est short, etc. dans les housses que je vous ai montrées et les mettre les housses ici. Je pense que ça peut être pas mal, genre j'empile les housses et je mets, je sais pas, une étiquette en disant robe, short, jupe, etc. Peut-être je vais faire ça, genre tout ce qui est plaid, vous savez, les gros plaid d'hiver, peut-être les mettre à cette hauteur-là et tout ce qui est un peu été, mettre au-dessus. Je pense que ça peut être mieux pour ranger. Alors je vais pas faire ça aujourd'hui parce que j'ai pas assez de housses. Et comme j'ai pas encore le pass sanitaire, je peux pas aller à Primark. Je pense que ça peut rentrer. Je vais essayer avec une seule pour voir ce que ça donne. Mais je pense que ça peut rentrer, écoutez. Oh là là, j'ai des idées de génie moi des fois. Alors, je vais vous poser là. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Hop, et voilà. Bah pile poil. Mais c'est parfait tout ça. Parfait, parfait. Bon, on va faire ça je pense. Bon, pas maintenant comme je vous disais, mais... Quand je vais trier mon dressing et je ferai les ventes Vinted, etc. Quand je rangerai les affaires, je les mettrai dedans. Directement. Ah, je suis contente. J'ai une bonne idée. Ça passe tout juste. Et donc, dans cette valise-là, je vais mettre mes sacs. Et celle-là, elle n'est pas dans celle-là. Elle est dans celle de mon copain. Ah. Donc, celle-là, je crois qu'il y avait une autre valise dedans. Donc, je vais la mettre. Et je vais la ranger où je peux. J'ai trouvé un sac pour pouvoir mettre les quelques affaires qu'il y avait à côté, là. Le but, en fait, ce serait que ce soit pas trop épais, en fait, que ce soit assez fin. Pouvoir empiler un maximum de sacs comme ça, catégorisés en fait. Après je crois qu'on aura fini pour le déballage des valises et tout le bordel. Donc je suis assez satisfaite, je suis assez contente. Bon j'ai plutôt bien avancé, je me suis attachée les cheveux parce que je n'en pouvais plus. J'ai pu ranger tout ce qui était articles de plage dans la valise. La valise elle est rangée juste là-bas avec un petit chacha. L'autre valise de mon copain je l'ai vidée et je l'ai mise dans cette valise là. Moi je me suis acheté, qu'est-ce que t'es beau, t'es trop mignon. Je viens à l'instant de... finir à 90% le montage de la vidéo retour de course, celle qui est sortie mercredi. Il est actuellement 21h22, donc je vais aller préparer peut-être un petit apéro pour mon copain. On va peut-être faire du saucisson et je vais peut-être lui faire des... Enfin, j'attends qu'il vienne pour savoir ce qu'il veut à manger parce que des fois je lui fais à manger, il me dit « Ah, j'ai pas faim » et tout, alors que... Déjà pour moi c'est dur de faire à manger, mais alors quand il me dit que j'ai pas faim alors que je me suis fait chier à faire à manger, moi ça m'énerve ça, donc j'attends toujours qu'il vienne. Donc on va faire du sauciflard, ça au moins c'est une valeur sûre. Oh mais c'est un spot parfait ça. Bah ouais, mais on ne montre pas les choses aussi. Bon, on va prendre son petit couteau global. Du sauciflard. Ça c'est la base. Mais je pense faire des pâtes ce soir. Des pâtes que je vous ai montrées dans mon retour de course. Avec les épinards et tout. Peut-être que je suis un peu haute. Alors attendez, si je me mets là. C'est un peu trop bas. Ah ça va. Ah, il y a Prince qui est là en mode... Ah bah... Il a acheté les croquettes pour Chuguette. Bon bah au final c'est pas des pâtes qu'on va manger, c'est... Enfin il va manger sa galette, donc il est content. Bah toi t'aimes pas ça? Non j'aime pas ça. Donc là je viens de prendre ma petite douche et faire mes soins. J'ai juste mis ma crème, j'ai quelques boutons là suite à tout ce que j'ai mangé, un peu crado, enfin voilà, j'ai vraiment eu une malbouffe là pendant ces derniers jours.
Donc là ma peau elle en souffre un petit peu et puis au niveau des règles aussi, j'étais très déréglée à cause du vaccin. J'ai eu une semaine et demie d'avance à cause du vaccin. Je suis ravie, j'ai plein de problèmes de boutons au niveau hormonal, ça me gonfle. Mais bon, c'est comme ça. Bref, je vais vous laisser là. Donc on va peut-être se retrouver donc le 1er septembre. Donc ça va être peut-être en décalé. Si j'ai genre une journée d'avance ou pas, on verra. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos que c'est juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis peut-être le 1er septembre dans une prochaine vidéo.